Salut tout le monde, c'est Yo-Yo pour ce nouvel épisode de la saga The Legend of Zelda Skyward Sword. Alors désolé pour la dernière fois, vu que ça avait coupé en pleine discussion. Parce que le temps, comme je vous l'ai dit, mon temps est assez rack. Donc voici la suite. Donc toujours en pleine discussion, car le CSI de Link a disparu. Donc voilà la suite. Link, pourquoi n'iras-tu pas lui parler de ton problème? En parlant du maître Lul. Père! Vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école. Maître Lul viendra certainement vous soumettre le problème. Oh oh oh, oh. C'est bien vrai ma fille. Très bien, je vais tout expliquer à maître Lul moi-même. Link, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Alors dans la vidéo précédente, il y a eu beaucoup de dialogues. Car forcément, c'était le début, donc des fois il y aura pas mal de dialogues. Et vu que je peux faire des vidéos avec un temps raccourci, c'est pas toujours simple. On va aller voir Maître Lul. Hello? Qui a-t-il, Link? Link, t'es tout pâle. Comment? Ton sentier a disparu. Mais c'est terrible. Tu penses pouvoir le retrouver? Je te conseille de partir à sa recherche tout de suite. Sinon, tu risques de rater la chevauchée céleste. Et sans ton oiseau, tu pourrais laisser des plumes. Ha ha ha. Tu comprends? Oh, le directeur m'appelle? Entendu, je te dois bien ça. Ne t'en fais pas pour la cérémonie. Go chercher ton cestrier. Allez, go. Bon, il faut que je me rende sur la place. Ah oui, y'a toi aussi. C'est comme ça qu'il faut faire, regarde le pro. Ouais, t'as réussi, Mouliken Dubourg. Et attends. Et en plus, on gagne un rubis. On est 5 en plus, je crois. Voilà. Encore une petite vidéo. Un petit dialogue. Ça a pas été simple, aussi simple que prévu, hein, boss? Ouais, c'est sûr que ce cestrier vermeil est tendu à cuire. Mais même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là où il est. Croire que c'est la grande mode d'avoir la même coupe de cheveux que Titeuf. Wow, Link, ça fait combien de temps que tu es là? Je me demande ce que tu vas faire par ici. Ah, je sais. La chevauchée céleste, c'est aujourd'hui, non? Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner, voilà pourquoi tu es là. Qu'est-ce qui peut être arrogant celui-là? Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec Zelda pour la cérémonie de la statue de la déesse, je comprends. Regarde-moi droit dans mes yeux globuleux. Écoute bien ce que je vais te dire. Désolé, mais le grand Ergo est Désolé, mais le grand Ergo est incorruptible. Qui sait, avec un peu de chance, ça arrivera peut-être deuxième. Mais, au fait, je le vois nulle part, ton poulet frit sur Skate Shop. C'est moi où tous les habitants sur cette île ont des blagues à deux balles. Est-ce qu'il peut bien être? Il serait pas égal quand même. Prends-moi mon oiseau. Hein, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Tu te crois tout permis parce que tu as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou. Tu passes ton temps à te raconter, à parler devant tout le monde. Parler devant tout le monde. Et si t'apprenais un peu à te comporter correctement, hein? C'est le type dans ton genre qui s'allie sous le nom de notre fière école de chevalerie. Qu'est-ce que j'entends? La pièce ramène bien vénère. Zelda, Pas fini. Ergo, tu en es encore Link? En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Pourquoi t'acharnes-tu sur Link? C'est-à-dire que... Ouais... Je t'écoute. Le mec a un gros kiff sur Zelda. Oh, non. Il est encore plus moche quand il sourit. Non, rien.
Bon, à plus, Link. Je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée céleste, t'auras pas ton aîné. Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré, hein? Franchement, je plains son oiseau, il a souffert avec le poids qu'il fait. Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton cestrier. Mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Link, je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père a parlé à Maître Ulule. Le départ devrait être retardé. Moi aussi, je veux voler. Bon allez, si je me rappelle bien, il faut que j'aille à l'école de chevalerie. Qui se trouve là-bas. Tayo. C'est assez pratique quand même de pouvoir courir un peu plus vite. Ah, Kiko, mon copain! Link, tu tombes bien! J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton cestrier. Quand j'en ai parlé à CS1, il a fait une drôle de tête, donc je lui ai tiré les verres du nez. Ah, il faut que je fasse une voix de mon gueule. Je suis désolé, Link. Je voulais tout te raconter, mais si Ergo apprenait que je t'en ai parlé. Visiblement, Ergo s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant. Je te fais tirer les verres du nez. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils ne m'ont pas remarqué. Ils ont commencé à comploter pour cacher les toncestriers quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir. Mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher dans la cascade. La cascade se trouve... Fais-moi voir ta carte. Ok, t'es même pas capable de me dire comme ça. Regarde, c'est ici. C'est la cascade indiquée par une croix. Tu sais comment consulter ta carte? En appuyant sur plus à tout moment, tu peux afficher la carte de l'endroit où tu te trouves. Non, quand tu es perdu, appuie sur plus. Pardon, Link. Je suis qu'un poltron, je suis vraiment désolé. Alors, ça, c'est qu'est-ce que cette manette là à la droite de l'écran? Heureusement, plus tard on pourra l'enlever. Alors, logiquement, vu que je sais où ça se trouve, je devrais aller chercher mon oiseau tout de suite. Parce que pour y aller, j'ai besoin d'une épée. Et l'épée se trouve ici. Et voilà la première épée qu'on a dans le jeu. Vous avez obtenu une épée d'entraînement, elle est utilisée lors des cours d'escrime à l'école de chevalerie, elle a un bon tranchant. Appuyez sur 1 à tout moment pour consulter votre inventaire. Voici mon inventaire, l'épée avec la bourse. Là c'est tous les objets qu'on peut récolter. Voilà. Bon, si je lui parle, il va me dire d'entraîner tout ça, donc on va faire directement. Ce sera plus rapide. Comme on peut voir, le mouvement aussi comparé aux autres Zelda, il est assez libre, le mouvement de l'épée. Ce qui est plus pratique, je trouve. Félicitations, Link. Quel talent, je suis très fier de toi. Tu veux essayer l'attaque circulaire maintenant? Ouais, pas qu'à faire. Bon, tu dois maintenant couper tous les troncs qui t'entourent sans bouger de là où tu es. Donne un coup sec avec la nunchuck à tes commandes Wii simultanément et dans la même direction horizontale, vas-y. Oh. Superbe. Ouais, je suis époustouflé, tu sais manier l'épée, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu veux essayer le coup de grâce maintenant? Ouais. Alors, quand ton ennemi est à terre, cible-le avec Z, puis donne un coup avec la nunchuck, oui. Vas-y, tranche ce tronc, puis lorsqu'il est à terre, assène-le avec le coup de grâce. Extraordinaire! Tu peux utiliser le coup de grâce après avoir mis un ennemi à terre avec ton bouclier ou une attaque circulaire. Mais en combat réel, tes adversaires ne restent tout seuls qu'un court instant. Alors il faut vite agiter avec tes commandes Wii et la nunchuck simultanément. Ah!
Il est interdit d'emmener les armes à l'extérieur de la salle. Tu croyais que je ne m'en apercevrais pas ou quoi? Ben non, t'es bigleux. Comment? Ton sélestrier est introuvable. Tu veux partir à ses recherches? Bien entendu. Cependant, Salzbourg est un village pacifiste et les seuls chevaliers sont autorisés à porter l'épée. C'est la règle. Alors n'utilise pas cette épée à tort à travers, tu ne dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Et entraîne-toi bien sur les troncs d'ici. Compris? Oui, moi aussi. Maintenant, on va aller sauver notre sélestrier qui est pas à côté. Ah oui, il y a lui. Je sais pas que les pierres sont sorties du sol. Hé, petit gars, viens donc voir par ici. Moi, je suis une pierre Shikai. Salutations, enchanté, tout ça. Ok, voilà le topo. Je pense que dans les prochains jours, tu vas souvent te retrouver à galérer et à tourner en rond. Si jamais il y a une énigme que t'arrives pas à résoudre et qui t'empêche d'avancer, viens me voir. Pour l'instant, j'ai rien à te montrer, mais plus tard, j'aurai des trucs intéressants pour toi. Allez, bon courage, petit. Ouais, bon allez. On est go. Allez, chercher notre oiseau. Oui. Voilà, voilà la fameuse cascade. Comme vous pouvez voir aussi, au début il n'y a pas beaucoup de vases pour récupérer rubis ou d'herbe. Et il y a certains arbres aussi où on peut gagner des rubis. Sauf que le tronc il est lumineux et c'est que quand il est lumineux en le coupant qu'on gagne des rubis. Go. Vous avez obtenu une griffe de monstre. Cette griffe acérée a l'air tranchante comme un rasoir. Le monstre dont elle provient doit faire peur à voir. Bah, c'est une chauve-souris. Alors là, des nouveaux ennemis qu'il n'y avait pas avant. Il y a un rubis, je sais pas où il atterrit, j'ai pas le temps de le chercher. Oh ouais, voilà. Voilà les herbes. Vous avez obtenu un rubis vert, sa valeur est d'un rubis. C'est le début de la fortune. C'est le monstre. Alors on va sauvegarder un petit coup quand même. Histoire de sauvegarder la partie. Je savais que je te trouverais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton sestrier? Je vois. C'est vrai qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Hein? C'est là, Link doit se dire, elle devient folle. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi, Link. J'étais ailleurs. Bien, allons-y. Pauvre Link. Se retrouve avec une amie qui parle toute seule, qui entend des voix.
Là, mon petit oiseau. C'est ton célestrier, Link. Bouge pas, j'arrive. Bon, mais voilà. C'est la fin de la vidéo. Je libérerai l'oiseau dans la prochaine vidéo. Car après, il y a pas mal de vidéos. Donc, sinon, ça risque encore de tout couper. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis ciao ciao tout le monde, à plus tard.